La première fois que j'ai rencontré Bernard Touzard, c'était à la foire aux chevaux de Tarascon sur Ariège, un 30 septembre, vers la fin des années 70. Installé depuis peu dans la région, il était venu à tout hasard dénicher la perle rare, l'étalon barbe arabe, nerveux et résistant, qui pourrait l'accompagner dans son aventure quotidienne aux frontières du risque. Ouais, vous dites combien celui-là ? 7 000 et 7 000 5. 5 005 et 7 005. Ouais. Et il est un peu esquinté celui-là, là devant. Ouais, celui-là. Ouh, il est esquinté. Il a plus des têtes. Il a couru où ? Eh bien, je vois qu'un petit plateau. Issu d'une famille où le cheval imprégnait la vie de chacun, Bernard avait toujours scrupuleusement suivi les conseils de son père, cavalier émérite, qui lui avait appris, dès sa tendre enfance, à se tenir en selle. C'est à l'âge de 16 ans que, découvrant un cavalier voltigeur lors d'un festival équestre, il lâchait aussitôt les rênes de l'équitation classique pour s'initier à un art auquel il allait se consacrer avec passion, la voltige cosaque, que les initiés nomment Djigitovska. À partir de cet instant, il part seul, navigue en Ariège, où il monte sa cavalerie afin de s'installer en plein Périgord noir. Là, pendant plusieurs années, il s'entraîne jour après jour, s'efforçant de retrouver les figures oubliées du peuple cosaque, peuple cavalier par excellence, alors que déjà à ses côtés, une petite équipe de passionnés le rejoint. Vous voulez la grande ou la petite boîte ? La grande, s'il vous plaît. Voilà. 26 francs 50, s'il vous plaît. 20, 25, 26, 50. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Aujourd'hui pharmacienne, Fabienne a toujours essayé de concilier ses deux passions, la biologie et l'équitation. Initiée depuis plusieurs années à l'art de la voltige, elle est devenue un des piliers de la troupe. Yves, c'est le frère aîné de Bernard. Formé à l'école de la voltige par son cadet, il ne manque pas une occasion de le rejoindre en Dordogne, en compagnie de Jamila, parachutiste et cascadeuse moto, et qui, du jour où elle monte à cheval, abandonne à jamais ses anciennes passions. Décontracte-toi, ajuste tes rênes, voilà. Les uns après les autres, ils ont suivi Bernard. Au fil des mois et des années, ils ont formé une équipe solide qui, au printemps,
abandonne toute activité pour se retrouver chez lui afin de préparer et répéter les spectacles de l'été. Assidu tous les jours sur la piste, Rémi, le dernier arrivé de la troupe, s'occupe de la bonne marche du centre avec Bernard. Salut Rémi, ça va ? Ah, salut l'artiste. Alors, t'as fait des achats ? Ouais, ou des bricoles. Avec Bernard est là-bas ? Ouais, les écuries. Salut toi. La plus belle. Je suis bien content d'être enfin arrivé. Je m'en doute. Sens bien ta pointe de pied. Allez, go. Ouais. La jambe plus vers l'arrière. Ouais, c'est bon. À cheval. Debout. Ouais. Prends déjà appuyé sur les crins. Ouais, voilà. Allez, autre haut. Ouais. Tends le bras et plus haut. Ouais. À cheval. Serre plus les jambes quand tu redescends. Toi. Reste. Vas-y, ouais. Allez, regarde. Voilà. Là. Ça va ? Baisse ta tête un peu, ouais. Voilà. Remonte. Allez, Ramiette, vous revenez, vous préparez à vous faire chacun votre figure. Ouais, rassemblez bien les chevaux. Ouais. Pas mal. Un sourire, Rémi. Baisse bien la jambe, voilà. T'as vu un peu comment il a passé facile? Bien. Attends, on va voir Rémi maintenant. Voltige, c'est pas uniquement faire des mouvements sur un cheval, c'est savoir comment vit un cheval, l'élever, et à partir de ce moment-là, il y a déjà une progression. La voltige cosaque, c'était au départ une sorte d'exercice pour leur donner l'aisance, l'agilité en cas de bataille, où disons que tous les cavaliers étaient capables de se battre, s'il y avait besoin de sauter de cheval, remonter en route, ils avaient besoin de ça. Il y a les figures qu'on appelle accrochées, c'est-à-dire une fois la mise en place, c'est une figure statique. Ensuite, il y a les figures qu'on appelle volantes, où il y a un mouvement tout le long de la figure, c'est un enchaînement. Et nous, c'est l'exercice de base. Quand tu arrives à passer la jambe par-dessus l'encolure, ou en plein galop, rattraper tout ça, tendre ta pointe de pied et tout, sans te casser la figure, déjà, tu as fait un pas en avant vers la voltige. Nos selles cosaques sont composées d'un arçon en bois qu'on achète en général. La partie cuir, on se la fait soi-même. Dans la partie cuir, il y a le tarachoc qui est très important parce qu'il nous sert dans toutes les figures. Goinfre.
bonhomme. On fait un petit tour. Chut, chut, chut. Sage. Les courses de chars au départ, c'était les Romains qui nous ont apporté ça quand même. Mais c'était des courses de chars à 4 chevaux. Ce qui est quand même plus impressionnant qu'un char attelé à 2 chevaux. Donc les courses, ben nous on fait ça assez facilement dans la mesure où on connaît bien les chevaux, on connaît bien les chars et on arrive à, en fait, à s'amuser réellement au spectacle. On fait une vraie course. Je dis toujours qu'en dressage, quand on réfléchit très fort à ce qu'on veut faire, le cheval le sent déjà. Il a ses sensations, son caractère. Il peut avoir 1000 chevaux, il y a 1000 caractères différents. J'ai passé à peu près 5 ans, enfin 4 ans et demi à découvrir toutes les figures de voltige. Premièrement à fabriquer ma première selle, et d'une, ce qui n'a pas été une petite paire de manches parce que bon, ben, j'avais aucune notion de sellerie. Et ensuite, après, à apprendre les figures dessus. Et des figures bon, que je faisais parce que j'avais vu des photos, parce que j'avais vu dans des journaux ou essayé de trouver des livres où on pouvait parler de la voltige. Il n'y en a pas en France d'ailleurs. Bon, et puis c'est toujours un esprit caché, c'est-à-dire que les gens, effectivement, qui voltigent, le gardent pour eux. C'est pas mon but, j'estime que la voltige, tout le monde peut l'apprendre et tout le monde peut avoir le droit de voltiger. Ça fait partie d'une prétention, hein, de ne pas vouloir dire ce qu'on sait.
Ben, si j'ai toujours voulu que des gens me suivent dans la voltige, c'est parce que ce que je veux montrer, que ce soit en voltige ou en équitation, c'est ce que j'aime. Et ce que j'aime, je veux pas m'en cacher. La poste à deux, c'est surtout un exercice de cirque. Tu peux la faire un petit peu de deux manières, soit en la faisant avec deux chevaux au galop, un petit peu cadencé. À partir de ce moment-là, tu as le temps d'admirer le paysage, tu es quand même debout, donc tu domines la situation. Sinon, tu as une autre manière de la faire, c'est avec tes deux chevaux qui n'ont qu'une envie aussi, c'est de galoper, parce qu'eux aiment galoper, ils aiment aller vite, surtout quand ils sont deux, c'est l'émulation, chacun, c'est un peu une compétition. Alors là, tu profites pleinement de la vitesse et le paysage, tu ne penses plus tellement. Tu prends plaisir, ce dessous, tu sens tes deux chevaux, tu ne les vois pas, mais tu les sens qui se donnent complètement à ce qu'ils font. C'est un art martial, un peu la voltige, tu vois. Ça se fait tellement rapidement que tu es obligé d'avoir une concentration qui est avant le mouvement et qui n'est pas pendant le mouvement. Si tu réfléchis au moment où tu fais ta figure, c'est pas le casse-gueule, mais presque. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement, faut le connaître à la perfection pour pouvoir le réaliser sur un cheval qui part à très grande vitesse au galop. Une femme peut voltiger sans problème. On en a quand même la preuve. Et elles ont à la limite plus de chorégraphie que l'homme. Mais c'est aussi parce qu'elles ont un esprit pour faire ça. Nous, notre but, c'est quand même de voltiger, effectivement, toujours de faire de très belles choses, mais il y a en plus un souci d'esthétisme qui s'est installé petit à petit. Avec Jamila, on essaye de compenser tout ce qu'on ne peut pas avoir par notre force musculaire, par la souplesse, par, disons, l'élégance.
tu m'enlèves la voltige, je serai très malheureuse. Pour moi, c'est un peu le summum de la relation avec un cheval. C'est l'aisance, la décontraction sur un cheval lancé au galop. On a toujours envie de faire mieux, on cherche toujours à se surpasser pour avoir encore plus de sensations. Moi, c'est rien, ce que je fais, c'est pas grand-chose, tout le monde peut le faire. Les risques, on n'y pense pas, moi, j'y pense pas. Avant de partir, je me concentre pour ce que je vais faire. Sur les figures accrochées, c'est plus un peu l'extase, c'est-à-dire, en fait, tu pars, tu te mets dans la tête en bas, et puis tu prends ton pied avec la tête en bas, en sachant que, bon, si tu pouvais galoper pendant 2-3 km... la vie comme un voltigeur ou comme un homme de cheval. Thank you.